Et donc, on va démarrer, les amis, la thématique P2P, nouvelle donne réglementaire. Évidemment, en fond de sauce, c'est la dématérialisation de la facture, c'est la facture électronique. Et donc, on va introduire l'ensemble de cette séquence. Il y aura évidemment après, hein, comme sur chacune des thématiques qu'on vous propose et sur chacune des séquences qu'on vous propose, un certain nombre de témoignages et de cas pratiques. Delphine Nicot est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour Stéphane. Avocate, cabinet TAGE, spécialiste TVA douane et Jérôme Grignon. Salut Jérôme. Bonjour Stéphane. Directeur dématérialisation du processus P2P chez Deloitte. On va voir d'abord l'aspect réglementaire et puis après, on verra l'application qu'il peut y avoir dans les entreprises. Delphine, est-ce qu'on peut dire que c'est un big bang qui se prépare autour de la dématérialisation des factures ? Alors c'est un véritable big bang, Stéphane, puisque effectivement la France introduit à compter du 1er juillet 2024 à la fois la facturation électronique et le e-reporting, donc le reporting de données complémentaires à l'administration fiscale. C'est ça. Donc aujourd'hui, on part de loin, puisque effectivement on est sur une variété de typologies de factures qu'on peut envoyer aux clients, donc on est ou recevoir, bien sûr. Donc on est sur du PDF, du papier, de la dématérialisation, de la signature électronique. Et à compter du 1er juillet 2024, les entreprises, l'ensemble des entreprises françaises, devront être en mesure de recevoir les factures électroniques. Également, ensuite, elles devront être capables d'émettre des factures électroniques selon un calendrier, selon leur taille. Donc 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille moyenne et pour les petites entreprises à compter du 1er janvier 2026. J'ai toujours un sujet avec cette histoire de recevoir et mettre. Voilà, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le truc. C'est-à-dire, pour recevoir, de toute façon, il faudra être équipé comme on l'est pour émettre, enfin pratiquement en fait. Ça veut dire, mais ce sera un des grands messages, un de tes grands messages d'ailleurs Delphine, il n'y a pas de temps à perdre sur cette histoire. Voilà, vous ne dites pas si, enfin... On a eu l'ordonnance effectivement du 15 septembre 2021 qui était une très bonne nouvelle pour les entreprises puisqu'effectivement il y a eu un report dans le calendrier. Ouais. En revanche, notre message aujourd'hui effectivement c'est il faut se préparer dès aujourd'hui. On a vu les spécifications externes avec Jérôme, qui pourra aussi en reparler un petit peu. C'est compliqué, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il y a certainement pas mal de choses déjà à anticiper. On en reparlera. Tu seras avec nous et avec Tradeshift, avec Bruno Laborie. Donc, on reparlera justement de ce « il n'y a pas de temps à perdre ». Mais ce que je voulais voir avec toi, donc, attention, il y a bien deux choses différentes. Il y a, en gros, le B2B, le B2C, c'est ça. C'est-à-dire… Grosso modo. Grosso modo, voilà. Tu auras le e-invoicing, en fait, qui va s'appliquer entre les entreprises établies en France. C'est ça. Que le fournisseur ou prestataire et le client soient établis en France. Et tu auras un volet e-reporting qui, lui, sera effectivement plutôt B2C et également opération internationale. Voilà. Et en gros, c'est la recette de la journée, quoi. Voilà. Hein, pour et donc, les restaurants, les magasins et tout, il faut les envoyer à l'administration fiscale. E-invoicing. Tu auras deux transmissions, donc une transmission à ton client via éventuellement des plateformes et le e-reporting ne sera que dirigé vers l'administration fiscale. Il n'y aura pas de transmission vers le client finalement. Que cherche l'administration, l'État à travers ce... Alors l'administration cherche les fraudeurs, voilà. Donc elle cherche à récupérer la TVA, le gap, ce qu'on dit TVA, c'est-à-dire... les recettes que l'État s'attend à recevoir et les recettes qu'il reçoit à la fin, finalement. Dans les pays où cette réforme a été mise en place, on s'aperçoit que c'est des milliards qui peuvent être récupérés. Mais oui. Donc, évidemment, ça éclaire les yeux de notre État français. La TVA, c'est 150 milliards. Hein. Donc, même 10% de fraude, ça commence à représenter quelque chose. Mais il n'y a pas que ça. Moi, c'est toi qui... Le suivi de l'activité économique est très intéressant. Donc, évidemment, en sujet numéro un, c'est la fraude TVA. En revanche, c'est également... Il y a d'autres mesures qui sont affichées comme étant un souhait de l'administration de mettre en place cette réforme. C'est de faire, d'avoir un suivi plus fin de l'activité des entreprises et en temps réel, donc savoir si tel secteur d'activité est performant ou pas. C'est super intéressant. Donc, c'est évident. Et puis également, à la fin, c'est d'avoir une vision sur l'ensemble effectivement des opérations réalisées par les sociétés, avec à la clé un contrôle fiscal qui passera d'un contrôle fiscal a posteriori
à un contrôle a priori, puisque l'administration aura entre les mains déjà toutes les données relatives aux opérations. Et donc, ça veut dire la déclaration de TVA automatique à la source. Et à la fin des fins, et ça, c'est cerise sur le gâteau, c'est lorsque l'administration aura pleinement intégré elle-même la réforme, parce que là, c'est, comme tu disais au début, c'est un véritable Big Bang. Donc, le temps qu'elle arrive à emmagasiner les informations, les interpréter, les exploiter, à la fin, quand elle aura bien exploité toutes ces données, elle va pouvoir effectivement aboutir à un pré-remplissage de la déclaration TVA. Et le travail des entreprises, finalement, ne sera que de vérifier si l'intégralité des informations a bien été reprise, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette au niveau de la TVA déductible entreprises. Je le dis juste d'un mot, mais c'est fondamental, parce que toutes ces histoires aujourd'hui, notamment de pilotage de plan de relance, de savoir si l'argent va bien là où il doit aller, tu mets ça en parallèle avec des monnaies digitales de banque centrale qui petit à petit vont voir le jour, et tu vas avoir sans doute une efficacité de l'aide publique qui va être décuplée. Voilà. C'est ce qu'on espère. Oui. En tout cas, c'est ce qu'il faut. Je parle à la spécialiste TV à Douane, elle me dit... c'est ce qu'il faut, en tout cas. C'est sur le papier, comme on dit. Bon, c'est ce vers quoi il faut tendre. Jérôme, tu penses que c'est une opportunité pour les entreprises ? Évidemment, oui. C'est une grande opportunité pour les entreprises. Depuis des années, il y a des flux dématérialisés. Ce n'est pas nouveau. Mais disons qu'aujourd'hui, on l'a fait uniquement avec les fournisseurs avec lesquels on savait que ça marchait. Ouais. On est dans un monde où on cherche de l'automatisation et on cherche, sur de la comptabilité fournisseur, à sécuriser les délais de paiement. La DGCCRF, elle nous dit, c'est 3 à 4 jours de gagner sur les délais de paiement quand on est sur une facture dématérialisée. 3 à 4 jours, des fois, c'est le fait qu'on passe au vert. Hein. Ah bah exactement. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Après, on ne peut pas automatiser quelque chose qui n'est pas de qualité et standardisé. Cette réforme, elle a une vertu, c'est qu'elle nous donne un standard. Elle nous définit comment on doit facturer. Et à partir de là, le levier d'automatisation, il est grand ouvert, quoi. C'est-à-dire on peut envoyer. Voilà. Non, mais tout à fait, on sera. Alors là aussi, l'un des exemples qu'on va donner, et c'est sans doute l'un des exemples les plus frappants, c'est ce qui se passe dans le monde du transport. Donc on sera avec Steph, qui est un des groupes de transport les plus importants aujourd'hui en Europe. 1 million de factures, son plus gros client en envoie 18 000. Donc 90% de ses fournisseurs, c'est une facture par mois. Et c'est très compliqué d'aller les onboarder, d'aller les chercher et tout. Là, boum, il y a l'obligation réglementaire qui va les aider en fait à digitaliser tout ça. Et ce qu'il faut se dire, alors ça c'est le secteur de la logistique, on peut parler d'autres secteurs, c'est que finalement ce n'est pas une réforme qui nous donne une seule règle de facturation dans l'absolu. Elle nous donne tout un éventail et tout un menu. Après, c'est aux entreprises de voir par typologie de fournisseurs qu'est-ce qui est le plus adaptable. Je vais m'auto-facturer, je vais fournir à un boulanger qui va fournir à un grand acteur de la restauration un portail où il va auto-saisir sa facture, ou on va dire à un très gros fournisseur avec lequel j'ai des flux industrialisés, à créer de l'EDI en fait. Et cette segmentation et cette compréhension de sa base fournisseur, elle est clé. Parce que c'est là où on va commencer à donner un petit peu de profondeur et à gérer par typologie de fournisseur quelle est la meilleure stratégie pour l'onboarder. Et comment je vais avoir la relation qui soit la plus efficace des deux côtés. Donc, ça va être un gros boulot au départ. Tout à fait. Il faut segmenter cette base fournisseur. Mais l'avantage, c'est que chaque fournisseur aura la chaussure à la bonne taille. Voilà, on va le dire comme ça. Exactement. Ouais. Ouais. Et c'est aussi un exercice réflectif. C'est quand on va faire ce travail, on va devoir regarder sa base fournisseur. Et c'est un portail. On va échanger cette base fournisseur avec d'autres. Donc, il faut qu'elle soit de qualité. Et là, l'enjeu de la data, c'est intéressant. Il est monstrueux. On en parlait tout à l'heure. C'est l'une des rares fois où on va commencer dans une entreprise à dire l'état de ma base fournisseur, c'est ça. Donc, le travail à faire pour qu'elle soit de qualité le jour où je vais devoir la diffuser, il est, selon les groupes, plus ou moins important, on va dire. Mais dans ce que tu appelles ces échanges de base fournisseur, alors, c'est Redshift, par exemple, qui sera avec nous. Mmh. Il y a aussi possibilité, finalement, on se retrouve avec... un immense annuaire dans lequel on peut trouver soi-même de nouveaux clients ou de nouveaux fournisseurs. Tout à fait. Ça va être une sorte de réseau social. On va dire c'est une première d'entreprise étape. D'entreprise et de business. Mais à la fin, c'est l'entreprise connectée, pas forcément sur la facture potentiellement. Ça peut être sur la commande, les appels d'offres. Enfin, on ouvre ça à beaucoup de choses à partir du moment où on a fait ce premier pas de connexion. C'est finalement à partir du moment où on a trouvé le bon numéro de téléphone en face, on peut ouvrir à beaucoup plus que la facture.
c'est une opportunité, il faut plonger dedans et y aller à fond, quoi. Voilà, hein, c'est ta conviction. Et sans doute se faire accompagner pour ne pas faire de... Pour ne pas faire d'erreur. C'est nécessaire. C'est nécessaire, voilà, c'est même indispensable. Merci Delphine, merci Jérôme. Donc vous allez voir nos témoignages. Vous restez avec nous sur Future of Finance. Donc on repart, les cas concrets autour de cette nouvelle donne réglementaire sur le P2P. Et alors, on en a parlé dans l'introduction, hein, allez voir l'introduction si vous voulez. Le secteur du transport est sans doute, en termes de facturation, de dématérialisation des factures, l'un des secteurs les plus complexes à gérer, les plus intéressants aussi. Et donc c'est pour ça qu'on va en parler avec Sébastien Flandre. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc tu es directeur administratif et comptable zone Est France du groupe Steph. Steph, c'est quoi ? C'est un des gros transporteurs européens même aujourd'hui. C'est le plus gros transporteur européen. Ah, c'est le plus frigorifique. Gros en Europe en frigorifique. Ah oui, voilà, c'est ça. En température dirigée, exactement. Ah, voilà, c'est ça. Température dirigée. Et Frédéric Massy, salut Frédéric, donc CMO de ITsoft justement qui accompagne les entreprises dans cette grande opération de dématérialisation du processus P2P. On va prendre la mesure de ce que représente, alors ta seule zone Est d'ailleurs, ou l'ensemble du groupe, c'est, l'ensemble du groupe, c'est combien de fournisseurs Alors c'est 30 000 fournisseurs actifs, une base d'environ 100 000 fournisseurs. Donc actifs et non actifs, ouais. C'est 1 million de factures, ouais. Sur 250 sites français et étrangers. Ouais. Et sur ce million de factures, je crois que le plus gros, il en envoie 18 000, c'est ça? À peu près, oui, on va dire entre 10 et 20 000. Voilà. Et t'en as sinon quoi, quelques milliers qui t'envoient une facture par mois? On a 80% qui envoient une facture par mois. Ouais, c'est ça. Et est-ce que ça, c'est le premier point de blocage? C'est-à-dire, comment est-ce que tu traites ces fournisseurs donc, qui n'ont qu'une relation très partielle avec toi? Comment est-ce que tu les traites pour avancer dans la dématérialisation? Alors, on a démarré par une phase pilote pour voir l'adhésion de ces fournisseurs à l'envoi un peu plus structuré du mail. Et ensuite, on a fait par étapes sur trois grandes catégories, nos frais généraux, la partie sous-traitance, qui est une part importante de notre secteur, et de la partie client, qui nous envoie des factures de litiges marchandises. Donc en trois étapes, pour être certain de faire adhérer un maximum de fournisseurs à ce démarrage qui a été fait sur environ 6 mois. Oui, mais attends, moi je veux que tu racontes dans le détail. Il a fallu faire un énorme effort de communication. Alors tout à fait, on a essayé de se doter d'outils... moderne, c'est-à-dire non pas passer par un mail, mais par un outil qui génère X mails pour toucher X fournisseurs, ouais. Sur une base qui est assez pléthorique, il faut le dire, sur nos fournisseurs et sur les adresses mail, ouais. Avoir le bon mail, c'est pas toujours évident d'avoir cette donnée, on va dire, à jour, ouais. Parce que ça évolue chez nos fournisseurs. Donc on a utilisé un outil qui nous a permis de s'adresser à un maximum de fournisseurs et d'avoir un retour et de gérer ces retours également pour pouvoir leur apporter aussi une réponse quand ils avaient des questions. Ouais. Ce qui est pas notre, ce qui n'était pas notre quotidien auparavant. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une relation one-to-one avec nos fournisseurs par le biais des comptables. Là, on voulait s'adresser à un maximum de fournisseurs sur des typologies de dépenses, d'engagement, qui sont toutes les trois différentes. Les frais généraux, la sous-traitance et les litiges sont trois domaines de dépenses complètement différents. Et donc, il a fallu s'adapter à leurs contraintes dans cette communication. Donc il fallait avoir une base fournisseur propre ou relativement propre, ouais. Ce qui est aussi un challenge. Mais bien sûr. Et communiquer avec eux en sachant qu'évidemment Steph ne s'adresse pas qu'à des fournisseurs français, mais à des fournisseurs étrangers sur plusieurs pays européens occidentaux, mais également sur d'autres pays, tels la Pologne, enfin, il y a beaucoup de pays qui sont fournisseurs de Steph, dans la Scandinavie, donc aussi s'adresser en multilingue. Et ce qui est... Mais pour le résumer, tu étais comptable, tu deviens consultant. Oui. Oui, c'est ça. C'est quand même une mutation du métier extraordinaire. Et tu me disais des fois, à un moment, il n'y a pas d'autre solution, il faut prendre le téléphone, quoi. Oui, tout à fait. Voilà.
ce qui n'est pas toujours pratique dans certaines langues. Ah non, bien sûr, bien sûr. Alors, on n'a pas forcément le plus de difficultés avec des fournisseurs étrangers. Parce que la crise du Covid nous a permis quand même de démarrer cette étape avant de démarrer avec ITsoft pour recevoir les factures sur un mode dégradé, qui était le mail, sur les boîtes mail des comptables, pour répondre à une contrainte qui était que la poste, dans certains pays, ne passait plus. Et donc, on a commencé un peu comme cela. Ça nous a désorganisé, mais ça répondait à un engagement de paiement qui nous devait, que Steph devait se faire. Frédéric, sur ce premier point de blocage, puisque ce sont les points de blocage qu'on essaye d'identifier, ce premier point de blocage qui est de dire, mais je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir la bonne adresse mail déjà pour m'adresser au bon gars qui va pouvoir s'occuper de la dématérialisation de la facture qu'il va m'envoyer. Oui, ça, c'est un défi. La clé de digitaliser le procure-tout-paye, c'est de chercher l'automatisation maximale. Ouais. Donc, comme on peut l'évoquer, on reçoit du papier, on reçoit potentiellement de l'email. Il est certain que si on a bien digitalisé son process en interne, ce qu'on a fait ensemble, on sait recevoir du papier, mais le levier va venir d'avoir un flux nativement digital à l'intérieur de l'organisation. Voilà. Aujourd'hui, le plus simple, ça reste l'email. Ouais. On peut aussi travailler sur des portails, on en fournit, c'est aussi assez complexe à onboarder. Souvent, une contrainte tierce va aider. Le Covid l'a été, ça l'a été pour Steph. Je peux citer, on a pas mal de clients, on a vu leur transformation durant le Covid. Il a fait plus dans cette digitalisation de la relation que des années d'efforts. Et puis là, tu as la norme facture électronique qui va de toute façon imposer un contrat qui va arriver d'ici 2026. Voilà. Ça partira sur un flux électronique. Maintenant, je pense qu'entre 2021 et 2026, il y a encore beaucoup à faire. Donc, vous allez chercher ces quelques pourcentages d'automatisation complémentaire. La clé, c'est la clé de la productivité du process. Ouais. Mais toi-même, tu conviens que de temps en temps, pour aller vers le monde moderne, il faut presque faire un retour en arrière et utiliser le téléphone et aller vraiment chercher le gars qui va être celui qui va déverrouiller le système. Oui, et il y a cet aspect de recevoir un flux nativement digital, un PDF, tout simplement par email. En fait, on lutte contre la force des habitudes. Pourquoi est-ce qu'on envoie un document papier, une facture papier ? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Exactement. Et faire cette transformation auprès d'une myriade de petits fournisseurs, c'est compliqué. Le deuxième levier qu'on va souvent avoir, on estime qu'un comptable, je ne sais pas si c'est exactement le cas chez Steph, il a passé 20% de son temps dans cette relation avec le fournisseur aussi, répondre où est ma facture, est-ce qu'elle a été payée, quand est-ce qu'elle va être payée. Ouais. Ça, si on commence à s'appuyer aussi sur typiquement des portails, ce qu'on fournit typiquement notre solution, ça permet de fluidifier cette relation. Tout à fait. Et de diminuer le temps qui est passé, qui est, on parlait de devenir un consultant un peu, de se focaliser sur des tâches qui soient un peu plus à valeur ajoutée que simplement répondre à où est ma facture, est-ce qu'elle est payée. Alors qu'on a quand on a digitalisé son système avec de bonnes solutions, on en fournit, on a cette information directement native dans le système, il faut l'exposer par un portail. Alors, deuxième point de blocage, c'est le réglementaire. C'est-à-dire, et ça, mais je te poserai la question, parce que chaque secteur, en fait, a ses spécificités. Et Frédéric, tu vas pouvoir nous dire si c'est vrai dans d'autres secteurs, mais dans le transport, le papier est toujours obligatoire. Le papier est obligatoire pour la preuve de réalisation du transport. Voilà. Et on se retrouve finalement à avoir deux flux. On veut en digitaliser un qui est la facture et on ne peut pas digitaliser la preuve de la réalisation de la prestation. Bon, je parle du transport évidemment, mais d'autres sur les litiges, c'est également le cas. Et donc on a deux flux qui vont aller à deux endroits différents qui vont devoir être réconciliés à un moment. Et ça, il faut s'adapter. Et il va falloir qu'on s'adapte sur cet enjeu. Mais c'est l'administration qui... Comment est-ce que ça s'appelle d'ailleurs ce document C'est la lettre de voiture. Voilà, voiture. C'est le contrat de transport, c'est la preuve, c'est le contrat, tout simplement. La lettre de voiture, ça fait un peu suranné quand même. Voilà. Et c'est l'administration qui insiste pour que ça reste en format papier Alors, je n'ai pas de réponse à ça. D'accord, pardon. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, il est en indiqué tout cas, c'est que le, cas. Ouais, voilà. le document doit être l'original. Et donc, j'imagine qu'effectivement, tu dois avoir des fournisseurs qui disent « Non, mais attends, puisque je t'apporte la lettre de voiture en papier, je peux bien t'apporter la facture en papier aussi. » Oui, voilà. Parce que beaucoup ont pris l'habitude aussi de nous les envoyer déjà par mail. C'est ça. Frédéric, il y a des spécificités comme ça par secteur qui sont des verrous réglementaires à la dématérialisation de ce processus P2P. Il peut y en avoir. Hein. Celui-là en est un, puisque c'est intéressant sur la lettre et ces documents qu'il faut garder de manière papier. La facture en elle-même, il n'y a pas si longtemps, vous deviez la garder de manière papier si vous la receviez. C'est vrai. Depuis quelques années, on peut la déchirer, la mettre à la poubelle si on fait ce qu'on appelle une copie fiable de ce document, c'est-à-dire qu'il faut le signer électroniquement et l'archiver de valeur probante. On permet de le faire. Il y a d'autres documents, peut-être que la législation n'est pas encore totalement à jour, il faudrait bien l'étudier, sur la possibilité de supprimer, de prendre nativement des documents numériques en entrée. Mais le réglementaire, il est indissociable
et les contraintes de conformité de la digitalisation de ce type de processus. En fait, c'est une gestion de risque. Vous avez des risques de conformité, de réglementation, copie fiable, piste d'audit fiable, je pense que tous les comptables connaissent ça très bien. Les délais, on parlait de délais de paiement, DGCCRF, donc on a ces points-là. La facture électronique, c'est une contrainte réglementaire, une opportunité. Une opportunité, ah oui, là vraiment, dans cette séquence, on va raconter combien c'est une opportunité. C'en est une indéniablement, mais ça va être aussi une contrainte parce qu'on n'a pas le choix. Donc le quotidien, c'est de gérer ses contraintes, gérer ses risques. Il ne faut pas oublier d'ailleurs également les risques de fraude, quand on parle de risques au sens large. En digitalisant, que ce soit le procure tout paye, mais on aide aussi des tas de types d'autres secteurs, la digitalisation, il faut aussi bien le faire, c'est plus facile de frauder. Typiquement une fausse facture ou un faux fournisseur dans le monde digital que dans le monde papier. Il y a un très bon livret qui a été fait par la DFCG là, récemment sur la cyberfraude dans l'environnement des directions financières. Le pire moyen risque de fraude, c'est la facture au faux fournisseur pour les organisations. Ouais, il faut savoir s'équiper, il faut vraiment s'appuyer sur des systèmes, des process, des outils qui, en amont, traitent tous ces risques. Alors justement, ça nous amène au troisième point et au troisième verrou que toi, tu as identifié, Frédéric. Tu appelles ça le verrou technologique. C'est-à-dire que dématérialiser la facture ne peut se faire que si, derrière, c'est le process achat aussi, par exemple, qui est dématérialisé. En fait, il faut avoir une vision assez globale de son process, petit 1. Et petit 2, verrou technologique, je reviens sur ce qu'on a pu évoquer. L'objectif, c'est de gagner en productivité. Ouais. L'objectif, c'est de gagner en efficacité. Pour ça, il faut automatiser au maximum. Le premier point, c'est d'avoir le maximum de données de facture fiables, conforme, valide, en temps réel. Donc il faut avoir des robots qui font cette tâche-là plutôt qu'un humain. Historiquement, on ressaisit, on met des robots. Il y a, je pense que c'est, sans faire une grande explication technologique, ces dernières années, les avancées de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning, fait qu'on peut arriver à des taux d'automatisation bien supérieurs à ce qu'on pouvait faire avant. On est bien placé pour le savoir, ça fait 30 ans qu'on le fait. Et on sait ce qu'on a pu fournir ces dernières années. Il faut vraiment s'assurer, je pense que c'est un peu le cas de Steph d'ailleurs, de s'appuyer sur des technologies, ce cœur de technologie qui permet d'extraire au maximum et d'automatiser au maximum cette première tâche, d'extraire les données de facture. C'est le cœur, digitaliser, c'est de la data d'abord, hein. C'est travailler à ce niveau-là. Sébastien ? Je confirme complètement. Tu confirmes, mais ça veut dire que dans l'ensemble du projet qu'a lancé Steph, qui est évidemment projet de digitalisation très important, il y a eu cette notion qu'il fallait le faire de bout en bout. Et il y a encore cette notion, la direction des achats avec qui nous avons travaillé et avec laquelle nous travaillons encore, ne peut être que associée à ce déploiement. C'est ça. Si on n'arrive pas à digitaliser également le process achat, on n'aura fait qu'une marche sur le processus intégrale de la dématérialisation et de son paiement, finalement, de la facture. Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est quoi ça va être la première ou une étape supplémentaire dans la modernisation en profondeur de la fonction finance et des directions financières dans les entreprises. Oui. Selon moi, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des outils silotés qui communiquent mal entre eux, enfin, c'est comme ça. Oui, et encore, je trouve que Steph, sur cette partie process achat, est plutôt bien équipé en outils. Il se parle plutôt bien, mais pas encore assez en tout cas. Le défi généralement, ce sont les achats indirects qui sont les plus difficiles à digitaliser. C'est un peu le parent pauvre aujourd'hui. Les achats directs le sont relativement bien par des outils, l'ERP ou autre. L'achat indirect, c'est l'adoption. Il faut faire en sorte que l'ensemble des usagers de l'entreprise adoptent un outil simple. Les marketplaces ont aidé là-dessus, non ? Les marketplaces, et puis également l'outil qu'on met à leur main. Hein. C'est un outil moderne qui permet très simplement de faire une demande d'achat et de la mettre. Ouais. Elle est clé parce que si vous voulez réconcilier une facture et les données que vous avez extraites avec la commande qui a pu être faite, si elle est digitalisée, ça va un peu simplifier la chose et si elle existe, ce qui fait qu'on peut aller vers le Graal et avoir des taux d'automatisation totale du process. On ne touche plus, il n'y a plus d'humains entre une facture reçue, elle est dans le RP, elle est payée. On a des clients aujourd'hui qui arrivent, Lidl par exemple, 60% de ce qu'on appelle no touch. On ne touche pas la facture. Mais ça, il faut avoir des commandes en amont. 60% des factures envoyées à Lidl sont traitées économiquement, sont traitées électroniquement. Et peuvent passer directement. De la réception jusqu'au paiement. Oui, sans intervention humaine. Sans intervention humaine. Sans intervention humaine. Ça te fait rêver, Sébastien ? Oui. On a démarré. On n'est pas à 60%, mais on voit déjà l'intérêt du no touch que propose IT Soft. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Bon, après. Le grand avantage pour toi, Frédéric, c'est que la norme, elle évite de monter des business cases pour justifier l'ensemble, ce qui reste toujours compliqué dans la digitalisation de la fonction finance, on en parle très régulièrement.
là, tu n'as pas le choix, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas le choix. Je pense quand même que les directions financières vont avoir quand même en interne monté le business case, même avec cette réglementation 2024. Mais de toute façon, il ne faut pas le prendre uniquement sous la forme de la contrainte. Je pense que ça a été évoqué avec Deloitte tout à l'heure. C'est une super opportunité pour rationaliser ces process et s'y mettre. Parce que le business case sous la contrainte, il existe réellement dans la digitalisation de ce process et son automatisation. C'est parfait. Merci, messieurs. Vous restez avec nous. Toujours des histoires, des exemples, des cas concrets, pratiques autour de la digitalisation du processus P2P à l'occasion de Future of Finance. On repart, les amis, donc toujours dans la dématérialisation de ce processus P2P, la nouvelle donne réglementaire. Là, on va voir des éléments supplémentaires. Alors, on retrouve Delphine Nico. Delphine, donc, était avec nous pour l'introduction. Allez voir ça si vous n'avez pas été la voir. Avocate, cabinetage et spécialiste TVA douane. Et Bruno Laborie. Salut, Bruno. Bonjour. Senior directeur Global Alliances de Threadshift. Et avec toi, Bruno, on va voir la couche service, finalement, dont tu penses qu'elle peut être ajoutée à l'ensemble de ce processus de dématérialisation. Et ça, c'est tout l'aspect contrainte, opportunité. Oui, c'est une norme qui vous tombe dessus, mais en fait, cette norme est une chance. Voilà. Delphine, on en a dit un mot dans l'introduction. Pourquoi est-ce qu'on en parle à ce point et on met à ce point la pression, sachant que pour... On estime que globalement, il y a 250 000, ce qu'on appelle d'un acronyme effrayant d'ailleurs, enfin ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça, 250 000 grosses PME, grandes entreprises, ETI, grosses PME, on est sur 250 000 entreprises, derrière il y en a 3,8 millions, donc il y en a 3 775 000 qui ne sont pas concernés avant 2026 par cette histoire, Delphine. Ce n'est pas tout à fait exact, Stéphane, puisque tu te souviens, cette réforme va entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2024. Ouais. Donc certes, les grosses entreprises vont être obligées d'émettre des factures à compter de cette date et les autres entreprises ne seront pas concernées. En revanche, l'ensemble des entreprises françaises devraient être en mesure, à compter du 1er juillet 2024, de recevoir les factures électroniques les grosses auront émises. Oui, c'est ça. Donc si... parmi vos clients, vous avez une grosse entreprise, vous n'avez pas le choix, il ne faut pas attendre 2024, il faut s'y mettre. Alors, juste préciser, parce que ça me fascine ça, donc en fait, les factures, la facture électronique est envoyée sur une colossale plateforme nationale. Une plateforme donc, qui existe aujourd'hui pour le B2G, en fait, avec toutes les... Donc pour les achats publics. Pour les achats publics, exactement, qui va être décliné, en fait, pour l'ensemble des factures émises par les assujettis en France. Tu avais un chiffre, Bruno. Est-ce que tu l'as en tête, le chiffre ? Il y a un challenge, c'est qu'aujourd'hui, cette plateforme-là, elle est prête pour 54 millions de factures et il faut qu'on passe à 4 milliards. Donc, en fait, il faut que les infrastructures de l'État soient en capacité d'absorber cette augmentation de charges. Cela dit, à chaque fois, alors Delphine, je parle sous ton contrôle, hein, mais tout ce qui est fiscalité, la plateforme Chorus, à chaque fois, en fait, qu'il a fallu dématérialiser des affaires de pognon, ça s'est bien passé pour l'État. Non, c'est vrai, il le fait à la perfection, ça. Hein. Oui, alors on voit quand même qu'il y a eu ce décalage et qui permet effectivement à l'administration... Oui, mais c'est pour nous, ce décalage, c'est pas pour eux aussi. Pas seulement, en fait. Hein. C'est parce que l'administration se rendait bien compte qu'elle-même ne serait pas prête pour la date à laquelle elle souhaitait mettre en place la réforme. D'accord. Alors, l'autre point sur lequel tu veux insister, c'est que... Enfin, c'est pas une simple histoire de « bon, ben voilà, je me branche, je télécharge un logiciel et puis emballer, c'est pesé ». C'est plus compliqué que ça et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir dès maintenant. Alors, tu as raison, Stéphane, c'est... Il faut aujourd'hui que les entreprises, alors sur le volet fiscal hein, dont je vais parler aujourd'hui, c'est plutôt être sûr qu'aujourd'hui déjà, tout est correctement fait, que le traitement TVA appliqué aux opérations est correct, etc. C'est-à-dire s'assurer en amont qu'on est déjà au point. Ouais. Et ensuite, il y a la partie effectivement technique. Mais déjà aujourd'hui, l'état des lieux de l'existence, savoir si je reçois plutôt des factures papier, des factures PDF, etc. Donc comprendre mon environnement pour appréhender en fait cette réforme. Et ensuite, il y a certaines choses, effectivement, dans les spécifications externes ou l'ordonnance, que l'on sait déjà et qu'on peut déjà anticiper. Type, nouvelle mention sur facture, ça, il faut que les entreprises puissent d'ores et déjà l'intégrer dans leur système. Elle va changer par rapport, on a déjà les nouvelles mentions on de la loi et les meubles, c'est ça ?
Alors, les nouvelles mentions, typiquement, ça va être le numéro sirène du client, ce qui n'est pas une obligation aujourd'hui. La typologie, en fait, de l'opération, bien versus service, voire même, et ça, ce n'est pas encore dans les textes, mais c'est dans les réflexions de l'administration, le pays d'arrivée lorsqu'on parle de livraison de biens. Mais même quand on est en France... Alors, par exemple, on me rit au nez quand je dis non, ce n'est pas évident. Le numéro de TVA intracommunautaire, par exemple, pour des indépendants, des tout petites entreprises, il n'est pas tout à fait sûr qu'il soit indiqué sur les factures et même qu'elles sachent où aller chercher. Alors, et ça, ça fait déjà partie des éléments obligatoires de la facture. Voilà, c'est ça. Ah, ça donc fait ça, déjà partie des éléments. C'est pour ça que je te disais, dans l'état des lieux de l'existence, c'est déjà s'assurer qu'on est au point sur toutes les mentions déjà obligatoires, voire anticiper celles qui le seront demain. Pas de temps à perdre. Hein. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Non, parce qu'il y en a déjà 26 qui sont obligatoires. Et aujourd'hui, qui fait le contrôle ? Quoi, des mentions sur les factures ? Une facture, oui. Qui fait aujourd'hui le contrôle sur ces 26-là ? Mais Bruno, moi, je fais des factures, je ne mets pas 26 trucs sur des factures. Ah, il y a celui qui émet, il y a celui qui reçoit, qui devrait vérifier, en théorie, quand il lit sa facture, qu'il y a bien l'ensemble de ces informations-là. Donc, c'est là où la digitalisation, en fait, va permettre aussi d'être plus rapide, en tout cas d'être plus efficient sur ce traitement-là, parce qu'on va pouvoir, entre guillemets, dire si c'est blanc ou noir. Tout de suite, quand une plateforme va recevoir une facture, elle va pouvoir, pour le compte de l'émetteur comme pour le compte de récepteur, dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Juste encore un mot, Delphine, il y a donc la grande plateforme de l'État, là, qui va s'appeler... je ne crois pas qu'elle va s'appeler Corus, en fait. Je pense qu'il cherche un autre nom, justement, pour qu'on différencie toujours les achats publics et le reste, la grande plateforme des factures. Et puis, il y aura quand même, je ne sais pas si Tradeshift en fera partie, d'ailleurs, Bruno, des tiers de confiance. Les plateformes certifiées, absolument. Voilà, c'est ça. Donc, on pourra envoyer la facture à un tiers de confiance. On pourra l'envoyer à cette plateforme qui se chargera, elle, de transmettre sur cette plateforme publique. Et également, si l'acquéreur a lui-même une plateforme de dématérialisation, cette première plateforme pourra transmettre également à cette autre plateforme. Et c'est le but de l'annuaire qui va être mis en place par l'administration. Et Tradeshift sera... Tradeshift est dans les starting blocks. Pour être plateforme de confiance, il y a un processus qui est en train d'être mis en place par l'État avec une accréditation pendant 3 ans, avec un renouvellement, ainsi de suite. Et donc oui, après, effectivement, on attend encore les ordonnances, on entend encore un certain nombre de détails à venir pour être prêt pour cette échéance-là, pour accompagner l'ensemble des fournisseurs et l'ensemble des clients. Ça te semble maîtrisé comme processus, Bruno, de ce que tu vois de ta fenêtre, c'est intéressant. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau quand on regarde là le côté français, mais si on prend d'autres exemples comme l'Italie, ça s'est fait. Si on prend cet annuaire général, il existe ce qu'on appelle PayPal au niveau européen. Donc il y a des morceaux qui existent déjà, qui peuvent être repris pour ce que l'État français souhaite faire. Oui, mais Delphine insiste sur le fait qu'on fait, nous, fromage et dessert, c'est-à-dire on fait la dématérialisation de la facture comme les Italiens et on fait, c'est quoi l'autre ? À l'espagnol ou à la mexicaine, on fait aussi le e-reporting. Voilà, le e-reporting. Mais ça, effectivement, ce sera une transmission, alors via une plateforme ou pas, mais seulement vers l'administration fiscale et il n'y aura pas de transmission vers une deuxième plateforme. C'est la différence. Couche de service, alors Bruno, couche de service, parce qu'il y a plusieurs choses. Dans ce qu'écrit l'État dans les premiers documents, ils veulent des données qui sont en tête, pied de page, assez simples. Ils ne descendent pas encore au détail, par exemple, de la ligne article. Or, n'importe quel grand groupe aujourd'hui, quand il a besoin de traiter sa facture dans son service comptable, il va avoir besoin de l'en-tête du pied de page, de l'ensemble des lignes, parce que besoin de rapprochement, facture, commande, si je rentre un peu dans le détail. Tout à fait. Et donc, c'est là où les plateformes telles que nôtre ont quelque chose à jouer, parce que certes, on peut recevoir le flux complet de facture, transmettre ce qu'il faut transmettre à l'État, transmettre la totalité au département comptable d'un EFAGE, d'un Sodexo, ainsi de suite, pour le traitement métier derrière. Et donc ça, c'est un premier niveau de service, c'est s'assurer de la conformité légale pour le compte de l'émetteur et du récepteur, transmettre à l'État. Et une fois qu'on a fait ça, on a créé ce lien digital entre l'entreprise et son fournisseur et on peut continuer à offrir d'autres de services à valeur ajoutée. D'abord, la visibilité sur les délais de paiement, parce que ça, c'est un autre élément du e-reporting. Mais oui. Quand est-ce qu'effectivement, il va falloir que le donneur d'ordre remonte ses informations de délai de paiement pour que ce soit visible depuis pour le fournisseur et donc après pour l'État. Donc là, il y a un autre enjeu pour l'État autour de... On le dit, je crois qu'on le disait, c'est en introduction qu'on le disait, que c'est 3-4 jours gagnés sur les délais de paiement, estime l'État. C'est ça, avec cette dématérialisation, c'est important. Hein. Efficience plus délai de paiement, c'est entre 4 et 5 milliards d'euros par an de gagnés pour les entreprises.
Oui, en termes de trésorerie, tu veux dire. Mais moi, je pense plus aux amendes des DGCCRF, quoi. Aussi. Voilà. Mais ça doit être aussi à 4 ou 5 milliards, peut-être. Non, on n'en est pas là, quand même, quand on arrive à ces niveaux-là. OK, donc couche de service là-dessus. Couche de service, lien digital, et puis après, effectivement, de pouvoir faire d'autres processus, parce que là, on parle de la facture fournisseur qui devient effectivement une contrainte, mais aujourd'hui, quand on est avec nos fournisseurs, bah, on vient aussi parler supply chain, on vient aussi parler commande, on vient aussi parler d'autres éléments. Et une fois qu'on a créé ce lien digital, pourquoi pas digitaliser tout le reste de la collaboration avec ses fournisseurs ? Oui, voilà, c'est ça. Et de ce fait-là, bah oui, on peut. On parlait aussi, effectivement, du challenge sur la partie numéro de Siret, numéro de TV Intracom. Il y a toute une problématique sur, aujourd'hui, une donnée fournisseur, elle se périme très, très vite. Donc, qu'est-ce qu'un fournisseur, quand il a dit qu'il va pouvoir changer de banque, il va changer d'adresse sur les Siret, transmettre automatiquement cela à son donneur d'ordre. Et inversement, le donneur d'ordre, s'il change, il peut aussi informer directement l'ensemble de ses fournisseurs de façon digitale, alors qu'aujourd'hui, ça se fait par email, ça se fait Oui, c'est par ça. Foyer. Et donc là, la gestion des fournisseurs, en fait, coûte cher aux entreprises. Et la digitalisation obligatoire va évidemment réduire ses coûts. Va réduire ses coûts-là, va permettre de gérer ses risques fournisseurs aussi. Parce que peut-être identifier effectivement tel fournisseur qui deviendrait à risque parce qu'il est dans une contrainte situation géographique qui fait que... Et ça, que... tu vas le voir dans la facture, ça ? Non, mais on va récupérer beaucoup plus d'informations parce qu'on va savoir d'où vient le bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les mentions, le pays d'origine. On sait où il va. Et donc, Soit le vendeur, tu auras le pays d'origine qui sera spécifié. Ça commence à venir, mais... En tout cas, ce qui est discuté aujourd'hui, c'est plutôt l'adresse de livraison des biens. Le pays d'origine, c'est plus un must-have, quelque chose qu'il faudrait avoir, un nice-to-have, qu'un must-have. Mais c'est évident que ça fait partie des mentions qui sont importantes, ne serait-ce que pour comprendre le traitement TVA qu'on applique à l'opération. Et puis, il est dans la bataille du Made in France, là. Le gouvernement, puis quel que soit le gouvernement qui suivra, qui succédera, il sera dans la bataille du Made in France. Et puis, on nous dit que c'est une demande des clients finaux en ce qui concerne le B2C. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant si ça peut être... Ça redescend du consommateur que nous sommes vers toute la chaîne. Dernier point, tu parles d'effet de réseau sur... mais là, c'est la plateforme TradeShift qui offre ça. Mais quel est le lien entre la dématérialisation de la facture l'effet de réseau qu'il peut y avoir On l'évoquait, il va y avoir un effet de réseau des réseaux avec cet annuaire qui va être imposé par l'État. Et donc, quelque part, un fournisseur va pouvoir être connecté à une plateforme telle que TradeShift. Un annuaire général de tous les fournisseurs français. Pour permettre, en fait, cette bonne transmission entre plateformes. On peut prendre l'analogie de ce qui s'est passé avec nos téléphones portables. Parce qu'en fait, on a bien eu le roaming, et c'est bien la même analogie du roaming qui va devoir se passer, c'est qu'en fait... Là, tu m'as perdu, là, Bruno. Comment ça ? Dans une logique de réseau, j'ai un fournisseur qui va faire le choix d'une plateforme, d'accord ? Qui va devoir envoyer sa facture à son donneur d'ordre. Ouais. Et potentiellement, il va pouvoir passer par sa plateforme qui émet et envoyer à une autre plateforme qui a été choisie par le donneur d'ordre pour recevoir. Ouais. Et donc, il faut un moment faire un peu un... Il faut réconcilier tout ça. D'où le grand annuaire des fournisseurs. D'accord. Donc voilà, sur cette... Mais il sera par catégorie, en tout cas, tu pourras justement savoir, aller regarder dedans. Tout à fait. Et par catégorie, essayer de voir. Et tu sauras qui travaille avec qui aussi ? Non, je pense pas. Non, quand même pas. Ça devient compliqué. Mais il y a un enjeu d'interopérabilité, en fait, des plateformes. Alors effectivement, des plateformes comme TradeShift après vont pouvoir, parce qu'on est connecté à la plateforme TradeShift et que le donneur d'ordre va offrir gratuitement à ses fournisseurs le fait de pouvoir lui envoyer ses factures, là, il y a un enjeu aussi économique associé à ça. Le fournisseur qui va être connecté, il va pouvoir avoir d'autres clients TradeShift, il va pouvoir leur envoyer des factures, il va pouvoir d'autres clients avec qui, d'autres sociétés avec qui il n'est pas client, et il va pouvoir aussi les adresser potentiellement, vendre ses biens et ses services. Donc, c'est ça aussi l'effet réseau. On est dans un rapport end-to-end, ou en tout cas end-to-end, par rapport à des portails plus classiques. Mais Delphine, je pense furieusement à la retenue à la source. C'est-à-dire, la retenue à la source, on s'est dit mais quelle catastrophe, ça va jamais marcher. On a fait des heures et des heures de programme pour dire combien c'était, mais n'importe quoi, c'est pas le moment, etc. À l'arrivée, c'est formidable, d'accord. Voilà. Mais il y a quand même eu aussi un petit délai dans le calendrier, si je me souviens bien, pour la retenue à la source. Oui, mais on est d'accord, la même perception qu'on peut avoir et que peuvent avoir, alors pas les grandes entreprises qui nous regardent là, mais en tout cas les entrepreneurs, d'une espèce de contrainte, alors qu'en fait,
ça va tous nous faciliter la vie. Ça a quand même un but de simplification. Ouais. Merci, merci Bruno, merci Delphine. Merci. Vous continuez évidemment à nous regarder et à aller regarder l'ensemble des thématiques qui sont à votre disposition à l'occasion de cette session de Future of Finance.